Bortikayak est une association basée à Mauléon, une association de randonnée en montagne. Elle existe depuis 1980. Elle porte aujourd'hui le projet de réhabilitation et de valorisation de trois caillolards. À terme, ces caillolards seront des abris gratuits pour tout randonneur ou usager de la montagne. Ici, vous êtes en présence du caillolard d'Ol Habibi, le premier restauré. Donc, ce projet a un volet sauvegarde du patrimoine, puisque chaque caillolard est restauré à l'identique. C'est-à-dire que les murs resteront en pierre, les pierres seront jointées et le toit seront en bardeaux. L'intérieur restera comme il était auparavant, présentera les saloirs, les casiers, la cheminée et un banc, une table. Notre projet a également un volet social, puisque les travaux sont effectués par l'association d'insertion Interface de Mauléon. Interface El Cartia, chantier d'insertion de la Cohoitas à Cholatzenda, et à El Carte Horen Helbuyada, Laguncia, Gente Andanavat, Aralanin Hashtag, et à Hayen Problemen, et à Arikusteko, by Oshagari, by Langavesian Vienne Kaspaldin, et à Hoitas à Cholatzenden, El Cartevad. Hor ukendugu harremanak Bortikaia elkarteaiki eta haiek emandeiki arrantzatzeko olha hau, olha dubiko olha, eta hau aspaldin eta jorten aizen, eta haiek nahi di haien sedia da ibilten dien jenten eta zabalik izan dadin. Eta ordin guk, guen bi ekipeki, horagi egun artino lanin aitzea. Bi ekipa era nahi da harginak eta mirik eta rekusten betie eta zur lanetan nahi dienak hegatzen arregitek eta ohol ezara tapatzeko hegatzen. Langileek ikusten die deja zerbait heltzen dielaik zerbait joik, zerbait nulatzen nahi dena, eta heben ikusten die emeki araltsatzen dela, eta jente hanitz interesatzen dela haiek egiten diena lanai, eta hoientak izigarri hunda bentako zen, eta ikusten die kapable diela gaiza sumaiten egitek, eta hoientako balio handia du. Le troisième volet de notre projet est environnemental, puisque le caillolard d'Ol Habibi abrite une colonie de chauves-souris pendant la belle saison. Donc nous avons le projet de leur faire un petit abri, un petit hôtel. Enfin, le dernier volet du projet est un volet économique et touristique. En incitant les personnes qui visiteront le caillolard d'aller également visiter le caillolard d'Ardakochia qui se trouve à 3 quarts d'heure de marche par le GR10, caillolard qui est occupé l'été par les bergers qui fabriquent leur fromage. L'association Bortikayak s'est engagée à remettre à jour les chemins de transhumance liés à chaque caillolard et en plus à aménager l'intérieur.
lorsque tous les caillolards seront restaurés, nous avons imaginé faire un circuit itinérant de caillolard en caillolard, donc qui amènera le promeneur à la porte de l'assise. Et nous souhaitons que les Cisains prennent le relais des sous-lieutenants pour avancer le projet.